Lyon 10e accueille Nantes 14e. Les Lyonnais sur deux matchs nuls veulent décoller. Il leur faut retrouver le chemin du succès. Ils vont essayer de le faire face à des Canaries qui sortent d'un match nul après trois défaites consécutives. Lyon-Nantes, ce sera également l'affiche d'une demi-finale de Coupe de France quelques semaines après cette confrontation en Ligue 1 Uber Eats. Les deux formations se retrouveront sur le terrain de Nantes pour espérer aller en finale de la Coupe de France. Lyon essaye d'aller de l'avant tout de suite, des Lyonnais haut sur le terrain, mais attention à cette interception nantaise. Le ballon file vers le but, la parade de Rioux et le ballon termine quand même au fond des filets. Mostafa Mohamed s'était échappé, il a manqué son duel contre Rioux. Mais le ballon est contré par Castello Luqueba. Catastrophe pour Lyon. Nantes mène 1-0 après 2 minutes seulement dans le match. Mostafa Mohamed ne réussit pas à battre le gardien adverse. Mais Luqueba, en voulant sauver la situation, voit le ballon lui rebondir dessus. Il ne parvient pas à faire un autre geste. Et ça fait bien 1-0 en faveur des Nantais. L'entame rêvée pour les joueurs d'Antoine Comboiré. Il mène au score. Mais Lyon repasse vite à l'attaque. Le ballon dans la surface avec Alexandre Lacazette. Le geste instinctif devant le but pour égaliser à la 24e minute. Ça n'a pas trop traîné dans ce match. Et l'OL se relance avec son capitaine. Lacazette a eu de la suite dans les idées sur cette action. N'a jamais lâché. Et il marque son 17e but de la saison. Il devient également à ce moment seul deuxième meilleur buteur de l'histoire de Lyon. Une performance de choix pour le capitaine, et Lyon veut enchaîner et marquer tout de suite le deuxième avec encore Lacazette. La parade spectaculaire d'Alban Lafont. La main très ferme de Lafont pour empêcher le doublé de Lacazette. Et le score est de 1 but partout à la mi-temps. Les Nantais ont connu un petit souci à la 36e minute. 111 a dû sortir, remplacé par Adjam. Ça ne semble pas trop perturber les visiteurs. Lyon essaye de repartir comme en première période, essayant de se procurer la plupart des opportunités. Attention tout de même à cette échappée nantaise avec la course d'Evan Guesson. Mais Rioux sauve la situation. Lyon fait tout pour marquer le but de la victoire avec Maxence Cacré. Mais il bute sur une belle sortie d'Alban Lafont. Très peu d'opportunités nettes en seconde période et personne ne parvient à prendre l'avantage. Match nul, un but partout entre Lyon et Nantes.